un petit peu l'émission. Voilà, comme promis, nous sommes aujourd'hui là, présents devant nos écrans. Nous allons utiliser cette tribune d'Internet, c'est-à-dire via Facebook, à travers la page de Parlons de Léopard, parce que nous avons une émission assez importante et assez intéressante aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons un live avec Monsieur José Toumba. Donc, avant de le recevoir, j'aimerais bien faire une petite introduction. Après cette période de confinement, voilà, nous avons eu plusieurs demandes pour essayer de clarifier un peu la situation du football congolais, essayer un peu de parler sur les sujets qui nous dérangent, sur certains points qui font un peu, qui créent un peu des débats. Et l'un de ces points, c'est en fait l'organisation de la fédération. Qu'est-ce qui boite? Qu'est-ce qui fait que nous avons toujours ces mêmes soucis qui se répètent toutes les années? Qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à nous imposer par rapport aux autres fédérations comme la fédération ivoirienne qui sait vendre son championnat? Qu'est-ce qui fait que notre championnat est mal vendu en dehors du pays? Qu'est-ce qui fait que y a toujours des petits problèmes de légalisation de joueurs par rapport à d'autres fédérations? Nous avons d'autres pays où bah, ça, la Rabat demande Nabango et que ça arrive à temps, les joueurs sont transférés. Il y a trop de problèmes, c'est-à-dire vis-à-vis de la légalisation de certains documents. Donc, il y a un problème de communication entre la fédération et les joueurs, il y a un problème de communication entre la fédération et le public, il y a un problème de communication entre la fédération et le gouvernement et l'État lui-même, à tel point que nous ne savons pas où commencer et par qui passer pour avoir les bonnes informations. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'organisation des rencontres amicales, des préparations pour les matchs amicaux pour l'équipe nationale de football. Mais entre-temps, j'aimerais bien passer un message aussi, c'est-à-dire que voilà, le coronavirus a freiné beaucoup d'activités sportives, à tel point que nous aurons du mal à reprendre le cours normal des championnats nationaux. Dans plusieurs pays, les compétitions internationales aussi ont subi leurs coups. Donc nous aurons du mal un peu à adapter notre activité sportive par rapport à cette pandémie qui a frappé le monde. Mais voilà, il y aura beaucoup de conséquences, il y a des conséquences financières, il y a beaucoup de clubs qui ne pourront plus se retrouver, non seulement en RDC, mais aussi dans le pays. Donc voilà, sans beaucoup tarder, j'aimerais bien que je fasse appel à Monsieur José Toumba, parce qu'il est mon invité aujourd'hui et nous avons beaucoup de choses à vous raconter et à échanger. Et voici la procédure de l'émission, c'est-à-dire que j'aurai 1 heure du temps, j'aurai 1 heure de temps d'échange avec lui. Le temps, nous aurons reparti le temps de telle manière qu'il puisse s'exprimer. Et après 1 heure de temps, j'aurai 15 minutes de questions afin qu'il puisse répondre à vos questions. J'aimerais bien que vous puissiez entrer dans ce live. Faites le max. Appelez vos amis, appelez vos connaissances, faites tout ce que vous pouvez afin que cette émission puisse être retransmise et puisse être écoutée partout, parce qu'on a beaucoup à dire. Tout ça, c'est pour l'avancement du football congolais. Une fois de plus, nous allons répondre aux questions après, pas maintenant. Merci Modeste Salvador, je salue ta présence, merci pour ta contribution, mais souffre qu'aujourd'hui, nous aurons une petite structure à respecter, afin que notre invité puisse avoir le temps de s'exprimer. Voilà. Entre-temps, je vais faire appel à Monsieur José Toumba. Je vais faire appel à lui, donc je vais l'inviter. J'espère qu'il est déjà en ligne. Question de Modeste Salvador. Qu'est-ce qui empêche à la FECOFA d'avoir un sponsor? Nous aurons à en parler dans ce live et voilà. Le temps qu'il se connecte, moi je vous
Je vous confirme une fois de plus que la sélection congolaise est inscrite, devrait pour participer des nations. Nous sommes encore à l'étape des éliminatoires. Voilà. Voilà, monsieur José Toumba qui est là. J'ai eu un peu le temps de faire une petite introduction. Je sais que mon introduction par rapport à la vôtre ne sera pas la même parce que je ne vous connais pas mieux que vous-même. Donc, j'espère que vous m'écoutez. Oui, je vous entends très bien. Là, vous m'entendez-vous? Je vous entends très bien. Donc voilà, nous allons faire cette émission. Juste un petit rappel, nous allons faire cette émission, c'est juste à titre de rappel. C'est-à-dire que nous allons suivre une petite structure, une structure qui consiste à vous laisser parler. Il y a des OK. questions que je vais vous poser. Vous aurez le temps de vous exprimer. Et juste après ce moment-là, c'est là que je donnerai espace, le temps à nous, à tous ceux qui nous suivent en ce moment, de poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc voilà, je commence d'abord par vous donner la parole. J'espère que vous connaissez mieux que moi. Vous allez vous présenter, votre fonction. Dans le cadre organisationnel de la FECOFA, du football congolais, tout ça, et aussi dans le cadre privé, votre travail, votre fonction, votre expérience, voilà. Vous avez 5 minutes pour ça. Voilà, donc en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José Toumba, je suis au départ agent des joueurs et actuellement, l'appellation a changé, c'est intermédiaire et j'ai participé plusieurs fois à l'organisation des rencontres de football de l'équipe nationale et dans le passé, j'étais président de l'équipe des Congolais de Genève, avec deux titres à la clé, de champion de Suisse. Donc voilà, en gros, c'est ça, quoi. Voilà. Et donc, vous avez fait partie, si je comprends bien, vous êtes quand même un peu, je dirais, influent dans l'organisation, dans ce qui concerne le Oui, j'ai un petit souci là, mais ça sera réglé d'ici 20 minutes. C'est un petit truc avec mon téléphone. Voilà, allez-y. Edith, vous m'entendez? Là, vous m'entendez mal. Oui. Ah, ok. Donc, je remets les écouteurs. Là, ça va mieux. Oui, comme ça, c'est mieux. Ouais, ok. Donc, on va faire ça comme ça alors. OK. Donc voilà, je disais, donc vous avez une influence, vous avez quelques mots à dire par rapport à l'organisation, à la fédération. Donc c'est ce que vous avez fait dans le passé par rapport à vos expériences. Oui, un petit mot, c'est que bon bah il est temps qu'on puisse apporter notre petite pierre à notre fédération. Il est temps que nous, les Congolais, nous puissions s'impliquer encore mieux pour aider notre équipe nationale à aller de l'avant. On doit pas croiser les bras et accepter tout ce qui n'est pas acceptable. Ok. Quand je J'entends. vous entends, vous me suivez bien? Oui, ça va, ouais. Ok. Quand je vous entends parler, je sens qu'il y a. J'ai suivi votre. Il y a une émission qui est passée il y a quelques jours, il y a quelques semaines passées. Vous avez abordé beaucoup de sujets. Et moi, j'aimerais Oui. bien structurer ces sujets par rapport à l'importance, c'est-à-dire que de l'apport et en regardant, OK, quelles ont été les retombées, quels ont été les points positifs et quels ont été les points négatifs de tout ce que vous avez apporté à l'équipe nationale. OK. On va tout d'abord commencer par le nombre de stages que vous avez organisés pour l'équipe nationale. C'est ce que vous avez fait, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, Vous avez organisé combien de stages? de tête, je ne saurais pas le dire. Il y a... Mais le plus important, les plus Oui, en mémoire. le plus important, c'est Autriche,
Autriche, Dubaï, Cameroun, donc Amos, visé Nigeria, Gabon. Gabon, et puis la Roumanie. Mais après, juste après l'Autriche, il y avait l'Égypte, mais c'était juste un match, ouais. On peut considérer aussi comme étant un stage. Ouais. Ok, bon, allons-y étape par étape. Ok. Ce que moi j'aimerais bien, c'est-à-dire, j'aimerais bien que vous nous racontiez stage par stage. Ok. Ok? Ok. Quelle a été la procédure? Comment est-ce que vous avez été contacté? Est-ce que c'est vous qui avez contacté la fédération et quel a été le suivi? Comment ça s'est procédé, cette organisation du stage d'Autriche? Ensuite, vous allez parler du stage de Dubaï. Qu'est-ce que vous avez fait? Qui avez-vous contacté? Quels ont été les joueurs qui sont venus? Quels ont été les points positifs que vous avez eus de ce stage? Quels ont été les points négatifs que vous avez eus de ce stage? Et qu'est-ce que vous attendiez de ce stage? Et qu'est-ce qui s'est réalisé? Et qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé? Bon, Togo le peine à Lingala, ouais, il n'y a pas de Nangata problème. Bandéo, Togo Ok. mélanger tous les deux. Ok, d'accord. Donc, en fait, il y a eu d'abord en Autriche, le but du stage, c'était que la RDC allait servir de sparring partenaire aux équipes nationales qualifiées pour la Coupe du Monde. OK. Et il était prévu deux matchs contre l'Arabie Saoudite et un match contre la Corée du Sud. Et c'est un stage qui a vu l'arrivée de Kamavaka, Mulongoti, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il joue en Allemagne, Oui. Tokunduzi, Magoma et Distel Zola. On a fait deux matchs en 48 heures. Le premier, c'était on a perdu, non, on a gagné 2-1 et puis on a perdu 2-0 le deuxième match. Mais le match contre la Corée du Sud ne s'était pas joué parce qu'entre deux, il y a eu une guerre qui était déclenchée au niveau des deux Corées. Et les Coréens avaient peur pour la sécurité de leurs joueurs, donc le match a été annulé. Donc en gros, c'était ça. Mais l'avantage, c'est qu'on a pu côtoyer des grandes stars, notamment les Anglais qui étaient tout autour de nous. On a vu l'arrivée d'ailleurs, j'ai oublié de citer Macalambay, qui était Oui. Ça, à c'était en quelle Chelsea année? en 2010. En 2010, on OK. avait fait ça. Voilà, donc. Et Rum Matumona est arrivé avec Loa pour le match contre la Corée. Donc, on est resté, malheureusement, il n'y a pas eu ce match-là. Voilà, en gros, ce qui s'est. Donc pour le stage d'Autriche, en fait, vous arrivez à... C'était qui, quel joueur était venu pour la première fois pour rejoindre l'équipe à Donc l'époque? j'ai cité Tokunduzi, Magoma, Kamavaka, Mulongoti, Distel Zola. Ça c'était Cette organisation et l'organisation qui vous a confié cela? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? C'est vous qui contactez la fédération, bien c'est la fédération qui vous contacte? Ça se fait comment? Ça se Donc passe comment à l'époque? c'est à travers mes relations en fait. Hein. C'est à travers mes relations. Il y a une grosse société ici qui organise les matchs, qui a la licence, parce qu'en fait, moi, j'en ai pas une. Je suis obligé de travailler avec cette société-là. C'est une très grande société. Donc, et j'y étais normalement pour autre chose. J'étais allé pour autre chose. Et c'est en discutant qu'on m'a expliqué qu'ils organisaient aussi des matchs. Ils m'ont montré tout ce qu'ils avaient organisé. Et moi, je leur ai dit que je pouvais les aider au niveau de la RDC. Et donc, on a fait cette première expérience qui s'est avérée vraiment fructueuse. Et à l'époque, c'était Monsieur Quimley. Je pense deuxième vice-président chargé des questions techniques. Je salue sa mémoire parce que c'est aujourd'hui que je comprends que ce monsieur devait vraiment nous être très utile aujourd'hui. Par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'équipe nationale. C'est quelqu'un qui transpirait le football. OK, quand vous avez le contact avec cette agence, vous contactez Monsieur Quimley. Non, non, je Et ça, contacte c'est le la procédure président. normale. Ça, c'est la Non, procédure non, je. normale. C'est-à-dire Bon, quand moi, vous avez j'ai. un match à Enfin, préparer. en fait, avec le président Omari est un ancien du collège Boboto.
Donc voilà, je le contacte en premier et puis après, c'est Monsieur Kuhn qui prend la relève parce que c'est lui qui était venu en stage. Voilà, donc OK. c'est à peu près ça. Et c'est ça la procédure pour tous les matchs que vous organisez en fait. Quand vous avez un match organisé, vous contactez la fédération Oui, je et contacte la celle-ci. fédération Et c'est quoi le relais après? non, Qu'est-ce que la fédération fait? je contacte la fédération, mais pour le cas de la RDC, c'est moi qui fais quasi tout. C'est-à-dire, je discute avec la société, ils me disent à peu près comment on peut procéder, je transmets là-bas, je leur explique vraiment. Et très souvent, quand ça coince, connaissant la mentalité de notre pays, étant congolais, je sais aussi faire l'équilibre entre les deux et entre notre société et la fédération. Et au bout du compte, en fait, les négociations, c'est moi qui les mène. Voilà, en gros. OK. Donc en fait, c'est vous qui organisez le tout. Alors, en organisant, c'est quoi la procédure? C'est les finances, elles quittent la RDC, elles viennent vers vous ou bien elles passent directement vers l'agence? C'est comment? Non, mais ça, je pense, je ne vais pas aller jusqu'à ce point-là parce que j'estime que Non, ça du serait. point de vue, du point de vue général, du point de Non, vue du point auprès de de la vue fédération. général, chaque match a ses réalités. Du point de vue général, chaque match a ses réalités. Et chaque match, on ne peut pas dire que c'est pareil. Ce n'est pas pareil, en fait. Chaque match a ses réalités et à chaque match, il y a différentes négociations. Ça dépend des circonstances, ça dépend de qui demande le match, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, et je ne peux pas, dans ce cas bien précis, donner des détails sur les clauses de ces contrats-là, parce que ça ne serait pas professionnel de ma part. Voilà, OK, mais quelles sont les je difficultés respecte que vous ça. rencontrez, par exemple, quand vous allez vers la fédération, vous rencontrez des difficultés ou bien tout passe normalement? À dire vrai, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas de difficulté. OK, Ça on va coulait y des arriver. sources, voilà. Le prochain stage, c'est le stage de Dubaï. Là, Non, on voit une non, panoplie de. le prochain, c'est l'Égypte. J'avais escamoté OK. l'Égypte. Donc, OK. on est allé faire un match, c'est quand nous arrêt arrivé. On est allé faire le match et on a perdu 6-3. Mais pour ce match, c'est la plus mauvaise expérience sportive par rapport à tous les stages, mais j'ai toujours gardé une anecdote qui me fait toujours rire. Et chaque fois que je pense à Matumona Room, je pense à ce stage-là, en fait. Voilà. Oui. Pourquoi? Hein? On était dans l'avion, à bord de l'avion d'Angers, Room. Oh. Ah, Room! Sobozani na avion, bangaka avion niveau moro boya. Alors, Ah. navandagi liboso, na e ilunga erita. Derrière ngai, Room na makondele. Alors, baoba kende na ker, baebi ke tan bozo atterrir. Généralement, ezala mai, bozo survolé mai, après bokiti na aéroport. Alors, Room abande au banga. Avant de finir, Sikoyo m'a condamné. Maman, Azoutia, maman, maman. Alors, c'était la première fois que j'ai mon ango. Je me retourne, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, Abanga avion. Et c'était vraiment m'a condamné, Azoulongolongola, Loboko, Yakangi, Loboko, Makondele. Et puis, je ne sais pas, Rapenda, sorti de nulle part. Erita Alagi à côté de moi, avec ses lunettes. Et puis, je l'entends derrière qui dit, mais yopé, yopé Rita, longola ba linette wanako, évitez que maï lingaka linette te, comme si. Alors, ça m'avait fait marrer, donc. C'est un souvenir qui me reste toujours en tête. Bon, après ça, il y a eu Dubaï. Il y a Dubaï, eu on voit une Dubaï. panoplie de joueurs professionnels de nouveaux qui arrivent. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous vient en tête en ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez en ce moment? Bon, pour ceux qui n'étaient pas à Seefeld, les gens ils peuvent croire que c'est le plus grand stage. Mais ils peuvent croire que Dubaï est le plus grand stage. Mais en réalité, Dubaï a été plus médiatisé que Seefeld, mais à Seefeld, c'était pareil, c'était du haut niveau, quoi.
Alors, à Dubaï, on arrive, il y a Kiasumba qui arrive, il y a Il y a beaucoup. Poku qui arrive, Ndongala qui arrive, Lukoki qui arrive, Tsakala qui arrive. Mais là, c'était, on surfait, la RDC surfait sur les résultats De la CAN comment, 2015. voilà, de la CAN. On surfait sur ça. Donc les gens, avec l'engouement, les jeunes ont commencé à se rendre compte qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Donc ils sont arrivés. Ils sont arrivés nombreux, mais c'était un stage inoubliable. On était dans des très bonnes conditions. On a tout fait très bien. Mais malheureusement, le résultat n'avait pas suivi. On avait perdu 2-1 et puis on a encore perdu 1-0. Voilà. Ok, mais par rapport à ce que vous projetez, jusque-là, tout va bien. Oui, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va à merveille. Et je me rappelle, il y avait aussi Prince Lossala qui était venu à ce stage. Et on était bien. C'était vraiment une vraie famille. On sentait que tout le monde voulait pousser dans le même sens. Tout le Une monde fois de voulait plus. pousser dans le même sens. Une fois de Et plus, l'organisation s'est faite à travers vous. à travers moi, toujours à travers moi. Et je me rappelle que Poku, qui devait attendre une interview de Radio Okapi dans ma chambre, j'ai eu à discuter avec lui. Il n'avait pas encore dit oui. Je lui ai expliqué que c'était bien de venir au Congo. J'ai essayé de faire le baratin. Il m'a dit oui, mais je suis quelqu'un incroyant. Je vais attendre que mon Seigneur me montre mon chemin. Et je lui ai dit, OK. le Seigneur t'a déjà montré ton chemin, tu es déjà là. Je ne pense pas que c'est arrivé par hasard. Mais il m'a dit de lui donner du temps. Je suis très content de le voir aujourd'hui dans notre équipe nationale. Et sur cette même marche, avec l'arrivée d'un Poku, on sent encore il y a encore cet engouement de la CAN 2015 et on est en train de préparer la CAN 2017, c'est ça? Voilà. On est en train de préparer la CAN 2000, les éliminatoires de la CAN 2017. Les éliminatoires de la CAN 2017. Voilà. Et après, il y a eu Mons. Voilà. Après, il y a eu Mons. Et c'était l'arrivée de Bakambu. De Bakambu. Je me rappelle bien, j'ai une photo de Bakambu. Je vois Mavinga qui est là aussi. Ouais, Mavinga aussi, ouais. Je vois Nkololo. Je vois, il y a aussi un jeune qui était venu, un attaquant de pointe. J'ai oublié son nom. Chimbumbu, voilà. Chimbumbu Je John, vois, ouais, ce sont les voilà. jeunes qui sont arrivés. Il y avait une mixture avec les Tokunzuzi. On Voilà, fait les matchs exactement. Ouais, Cameroun. Nanyazwagi bleu naïe, Bakambu à son arrivée, en voulant descendre, je sais pas ce qui s'est passé, Bilamane et Poulagi n'a pas jus d'orange, il a atterri, il sortait de la frontière avec Bilamba mouillé, il était obligé d'aller se changer ma toilette. Je me rappelle. Donc voilà, il y a eu Mons. Après Mons, on a fait un match nul face au Cameroun, Oui. toujours dans la même lancée. Il y a le match, il y a le stage de visée. Le stage de visée. Le stage de visée avec le coach Christian Tsengui, qui a été obligé de remplacer le coach, les deux coachs d'ailleurs, Ibenge et Zaïra, qui ne pouvaient pas venir parce qu'il y aurait eu un match Vita Club Daring. Et en tout cas, ce jour-là, on a vu du beau football. Les deux matchs, on a vu du beau football. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas avant du beau de football, je dis simplement que sur ces deux On matchs, s'est il y bien avait. régalé. Ouais, on s'est bien régalé, et surtout contre le Gabon, quand Chancel Bemba marque le but à la dernière minute, c'était vraiment l'apothéose. Ça, C'est-à-dire, on c'était avait aussi. comme coach, on avait le coach Sengui et Eric Chivas. Ouais, voilà. OK. Eric Tchibassou, voilà, exactement. Ouais. Et Voilà. puis. Donc, on va dire. Ouais. Ensuite, mais j'aimerais juste signaler qu'il y a un match qui n'est pas connu en fait, mais j'avais quand même participé à l'organisation du match RDC-Chili, les U20. Ça s'est joué en Espagne et on avait perdu, je pense, 2 ou 3-0, mais il n'y avait pas à rougir parce qu'après le Chili était vice-champion ou champion des U20 parce qu'il préparait la Coupe du Monde.
Donc OK. voilà. Ouais. Donc, c'est aussi partie de votre agenda aussi. Voilà. Et OK. ensuite, il y a eu Roumanie. Il y a eu le La match contre la Roumanie. Roumanie Contre la en Italie. Roumanie, ouais, en Italie, exactement. Ouais. En faisant la symbiose et en faisant tout, en mélangeant un peu tout, du stage d'Autriche jusqu'au stage d'Italie, qu'est-ce que vous avez retenu de positif? Et qu'est-ce que vous aviez projeté pour l'avenir, s'il y avait continué? Bon, déjà au départ, par rapport à, je ne peux pas, mis à part le stage en Autriche, on a commencé à grimper dans le classement FIFA, dans le ranking FIFA. On est arrivé jusqu'à, je pense qu'on était 28e. Mais c'est parce qu'on avait fait beaucoup de matchs amicaux. Et donc, voilà. C'est dommage que cet élan ait été brisé. C'est vraiment dommage parce que ça suivait, on sentait que les joueurs venaient et chaque fois qu'ils venaient, ils étaient contents d'être là, ils étaient contents d'avoir les mêmes, quasi les mêmes conditions qu'en Europe. Mais bon, après... OK. Avant la commande à sujet, Moussoussou, dans la continuation, on a une question. C'est quoi la différence d'organiser un stage, par exemple, en Europe? Qu'est-ce que ça rapporte? Et organiser un stage en Afrique, par exemple, des matchs contre la Tanzanie, par exemple, contre le Kenya. C'est quoi la différence? Du point de vue joueur et du point de vue fédération, y a un manque à gagner. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup plus Non, d'argent, on va plus être en Afrique que dans d'autres. pour être vrai, j'étais pas mêlé à l'aspect financier. Moi, j'étais plus dans l'aspect organisationnel. Donc, je pourrais pas de prime abord comme ça dire s'il y a eu bénéfice ou pas. Mais c'est clair que le match enfin, pour lequel il y a eu beaucoup d'engouement, c'était Cameroun. RDC à À Mons. Mons, ça c'est clair. Donc voilà quoi. Mais la fédération, elle gaspille beaucoup plus d'argent en organisant un match en Afrique ou en Europe? Comme j'ai Ou dit, c'est pas la il y même a, chose? y a pas, c'est pas pareil. C'est-à-dire, tu peux trouver des matchs où on prend tout en charge, tu peux trouver des matchs où on prend juste, comment on dit, la prise en charge locale, tu peux trouver un match où c'est la FED qui prend tout, qui prend tout en charge. Voilà. Donc c'est ça, je pourrais pas expliquer l'aspect financier en fait. C'est une question importante. Je la pose pourquoi? Parce qu'il y a un moment, on a eu une suite des Oui. matchs qui étaient organisés en Afrique. Et la raison qui a été avancée était que voilà, on dépense moins. C'est-à-dire que, oh, on n'a pas d'argent, c'est mieux d'organiser des matchs en Qui c'est Afrique. qui avait donné cette raison? La coordination, j'imagine. La coordination. Ouais, mais bon, ça c'est pour refuser de collaborer. C'est parce OK. qu'ils ont, Donc parce qu'ils ont, parce que la vérité est celle-ci. La vérité, c'est que la coordination des équipes nationales est gérée par une personne qui a transformé cette structure qui lui a été confiée par le président de la fédération. En une milice, entre guillemets. C'est-à-dire, il fait tout et n'importe quoi. c'est C'est-à-dire, il ça la peut raison de refuser. vie qu'il y a eu. C'est la Voilà, raison de vide c'est qu'il y a la eu après le raison match du de la vide. Roumanie. Ouais, c'est la raison du Quelle a vide. été réellement la cause? Pourquoi on vous a destitué de cette charge? Sincèrement, il n'y a pas une vraie cause. C'est-à-dire, son vrai problème, comme je l'ai dit dans l'autre émission, son vrai problème, c'est que il fallait pas contacter le président Constant Omari. Il m'a Pourquoi pas? prévenu trois fois parce qu'il voulait que ce soit lui qui aille vers le président pour lui expliquer des choses. Et il voulait donc isoler le président de la fédération de la réalité qui se passe sur le terrain. Voilà, OK. c'est ça, commencé comme ça. Bon, moi, au début, je n'avais pas compris. Ensuite, j'ai commencé à ramener des matchs. Il refusait pour des raisons des fois bizarres. Genre avant la CAN 2015, je ramène la sélection Catalogne. Il refuse parce que tous les joueurs ne seront pas là. Vérification faite, je me rends compte que tous les joueurs auraient pu
livrer ce match. Et sauf les joueurs évoluant en Angleterre. C'était les seuls qui ne pouvaient pas être là. Mais ça, le coach Ibenge voulait à tout prix avoir ce match parce que ça lui aurait permis de commencer la préparation de la CAN du Gabon plus tôt. Parce que le match aurait pu se jouer le 28 décembre. Il a refusé, il a refusé. Il a commencé par dire qu'il ne voulait pas brusquer l'équipe. Il a sorti des raisons qui ne tenaient pas debout. Et au final, la préparation de la CAN a été retardée. Ils ont commencé, je pense, le 8 janvier. Donc, ils ont perdu des jours qu'ils auraient pu gagner. Et ça aurait servi au staff technique de bien peaufiner la préparation. Mais après, au moins, on a pas manqué moi et Salim Mboué. Après, c'est sur le coach qu'on tape. Oui. Donc, tout le monde Donc le avait coach fustigé. de d'un côté aussi victime d'une mauvaise organisation. Oui, il a été victime. Dans ce cas, il a été Je victime. Moi, je confirme que j'avais parlé avec le coach Ibenge qui tenait à tout prix à ce qu'il puisse avoir ses joueurs. Et là, ce qu'il m'avait dit en réalité, c'est que ah, ce match m'intéresse beaucoup, ça va me permettre de commencer ma préparation à temps. C'est ce qu'il m'avait dit. Bon, Mais c'était après. qui? C'était qui au juste dans l'organisation? C'était qui? Dans la L'organisation. coordination? Ben, c'est le coordonnateur des équipes nationales. Hein. C'est le Monsieur Théo coordonnateur. Binamou. Exactement. Donc, c'est le coordonnateur de l'équipe des équipes nationales qui avait refusé ce match. Bon, après, le retard dû à la préparation n'était pas du fait de la FECOFA. C'était parce que le gouvernement avait débloqué des fonds en retard ou je ne sais plus moi quelle raison. Mais refuser un match comme ça parce que ma tête ne lui plaît pas, je pense que ce n'est pas professionnel. Et Et pour puis on... finir, c'est la Tunisie qui a joué ce match. Donc on perd un match de qualité Ouais. qui pourrait nous rapporter beaucoup plus Oui. en termes de notoriété, en termes d'intelligence tactique, technique. Parce que Et en la sélection, sélection catalane, il y on... a les Piqué, les Xavi, c'est des grands noms qui jouent en Espagne. C'est Et des on se grands noms. retrouve en tant que c'est ça. Oui, on a joué contre la Tanzanie. Oui, contre la Tanzanie. Sur un Oui, au terrain. Kenya, bien sûr. Sur un terrain. Il a provoqué des blessures. Voilà. À la limite, un champ de patates, comme disait. Claude Leroy. Et C'est-à-dire... derrière la proposition du match contre la sélection Catalogne, il y a eu la possibilité de jouer contre le Chili et une toute petite possibilité d'avoir la Belgique parce que à cette époque, c'est notre société qui avait eu quelques matchs à organiser pour la Belgique. Donc, on voulait sauter sur cette occasion pour demander un match contre la RDC. Et il nous fallait un mandat qui n'a jamais donné. Donc on a raté le Chili et ça devait se faire au mois de juin, en fait. Là, on était au mois de décembre. Ça devait se faire, les deux matchs allaient se faire au mois de juin. Et je lui ai expliqué, parce que moi, dans mon intime intérieur, je savais qu'il y avait possibilité d'être champion d'Afrique. Je lui ai même, dans le mail que je lui ai écrit, je lui ai même expliqué qu'il y avait une possibilité qu'on soit champion du monde et qu'il serait judicieux de prévoir ces deux matchs parce que si on était champion du monde, champion d'Afrique, on allait jouer la Confédération. Donc ça aurait servi de préparation. Il m'a dit d'attendre d'être d'abord champion d'Afrique avant d'envisager ces deux matchs. Maintenant, question à Nina Tuna, mais c'est comment ça se fait que c'est lui qui décide à la place du président Constant Omari? Les années de la société, c'est-à-dire aux la société Nayo, aux enfin, société Zayete, c'est une fédération, mais aux la société, aux PDG, aux Mutumoro chargé à communication hautier, aux Mutumoro chargé de l'administratif hautier, aux Mutumoro à la direction, mais tu vas pas commencer à chaque fois à les regarder, tu ne dois pas à chaque fois dire, tu fais Mais confiance aux gens. quand ça brûle, la responsabilité tombe sur le président Omari et pas sur Exactement. Monsieur Binamou. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire alors? Ben, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait dissoudre la coordination des équipes nationales parce que
Il y a plusieurs griefs. Moi, aujourd'hui, je le dis. Je le dis, les gens pensent que je le dis parce que j'ai envie que j'ai une dent contre lui. Mais en réalité, il a parce que, tenez-vous bien, ce monsieur a dirigé coordination des équipes nationales, ça fait presque 10 ans. OK? Ça fait 10 ans, la RDC, c'est lui qui doit coordonner tout, hein, les matchs d'amicaux et tout, n'a jamais eu un programme d'une année. Otoyebi à mois de juin 2021, RDC Orbetananen, comme toutes les grandes nations. Il n'y a jamais eu ça. Ça, c'est un. C'est des improvisations sur improvisation. À Brusca, Otis Ngoma, pour Bakeno Beta, match en Afrique du Sud, COSAFA, en dernière minute. Match Oyoya, tourné à Tifoko. Je ne sais pas si on se rendait compte, mais c'est. Je ne sais même pas si on va s'allier quatre entraînements, l'équipe nationale. C'était quelque chose de brusque. Il y a un tournoi, il y a un tournoi, venez, venez, venez. Mais c'est pas match association. Au bout de 10 ans quand même, il n'a pas Ostewana. Il faut être en mesure de faire des choses de manière professionnelle. Mais je sais pas, je finirai par Zélanom, inviter quelqu'un Zélanom m'a expliqué. Oui, Si continuez. qu'on saute au Talibien, parmi les griefs, on a vraiment le président constant, vraiment du fond du cœur, à dissoudre Nanyana, Asale Lokomoko avec un 109. Est-ce qu'on y a dit que ce type, en Afrique du Sud, il va en Afrique du Sud avec l'équipe nationale. Il ment, parce que c'est la vérité. Enfin, il avait menti, c'est une vérité qu'il avait menti. Il ment que Bengani, l'équipe nationale, n'a hôtel. Et tous les journaux relayent ça. Et c'est Santos Mutubile qui vient démentir ça. Qui dit que non, Bengani, son hôtel, t'es aux allées hôtel ou je sais pas moi quoi. Est-ce que vraiment, il est quoi Bongo? Ça ne mérite pas. Mais c'est quoi le but? Il y a le côté Nézaguenine. Pour Non, atteindre c'était quoi? peut-être pour pousser le gouvernement à sortir l'argent peut-être plus tôt, mais on n'humilie pas tout un pays avec ça. Tosu, par exemple, dossier à U23. Tosu, dossier à U23. Okokendo Qu'est-ce qui s'est passé? vérifié. Ogomon a liste, c'est tant Webima qu'il n'y avait pas Arsène Zola. Le coach Ntsengui, quand il a fait la liste, il n'y avait pas Arsène Zola. Tango Bakomi, na hôtel, je pense le lendemain, Moni Arsène Zola, et tout le monde était étonné, tout le monde savait que Azalaki éligible était. Et même Mazembe a tiré la sonnette d'alarme. Mazembe, par l'intermédiaire, je pense, il y a responsable, il y a communication à Bango, ou bien il y a manager Kifré, il a fait un communiqué pour dire que Arsène Zola, faites attention à Jesse Leki. Mais on l'a fait quand même jouer. On s'est fait éliminer. Pire, Sokolobiota, la match, Arsène Zola était sur le terrain, le match était 0-0. Il se blesse, il sort, on gagne 2-0. Il n'était pas utile. Et tout ça, pourquoi? Parce que, excusez-moi, vous allez peut-être me voir tousser parce que c'est la période de moi, quand il y a Oulala. les trucs, moi je tousse plus. Là, on Donc, comprend. Salut Nani. Miriam. Salut Ryan. Lina Ryan, salut. Ouais, continue là. Sikoyo, coach Ntsengui, tant que Bengsi était et que Bango Babet ici, c'est le monsieur qui a expliqué, parce qu'il y avait des inquiétudes dans le staff, les gens se disaient, mais est-ce qu'il peut jouer ou pas? Parce que nous, on sait qu'il ne doit pas jouer. Il leur a dit que commis lettre Morona CAF et que CAF a d'accord Arsène Zola Beta. Mais rien que pour ça, normalement, il doit être viré. On a suspendu le secrétaire de la fédération, mais la personne à suspendre et à virer, c'est le coordonnateur. Donc. Je sais pas, moi je finirai par inviter quelqu'un de la fédération. Et pire encore, Je parmi Bablo Gongana ont reproché, j'ai toujours dit, équipe nationale Abisso, et ça quand même, c'est pas un camp de vacances. Je veux dire, l'équipe nationale, c'est la crème des crèmes. Nos joueurs, Bazan était ambassadeur en Abisso Nabamboka.
Nos joueurs, ils en étaient aux 8 millions de Congolais, aux 8 Bango, aux condensés Bango, concentrés Bango, Vatikali, 11 au tir Bango la terre. C'est ça l'équipe nationale. Alors, hier, à 8 Moutouate, Kaka, simplement Babillé, Moutoui, y a agence de voyage, qui se permet, tant que Tozo bêta match contre Nigeria na Gabon, les U20, je ne sais pas qui avait organisé ça, devaient aller jouer un match en Angleterre. Et bon, et à l'époque, Bapimene, Batoakine, Bavisa, il n'y avait pas assez de gens de la Fédé qui étaient venus. C'est ce gars-là, un Algérien, qui est allé avec l'équipe. Bon, jusque-là, pas de problème. Il arrive là-bas, entraînement, il se lève pour faire le speech. Je vous remercie au nom de la Fédération congolaise de football, en tant que qui? Un Algérien. Un Congolais ne peut pas faire ça en Algérie. Ils en étaient bêlés. Un quart ou même un huitième à Congolais. Donc, on pas un Congolais, tu ne vas pas faire ça en équipe nationale algérienne. Tu comprends? N'a Ouais, expliqué que tout, moi, les solo moko. Tu vois, après match à Dubaï. Après match à Dubaï, Tobetaki, Namons, comme on a dit. Lui, le coordonnateur, il me dit, match, parce que quand on a joué contre le Cameroun, la même semaine, je pense, on devait jouer un match à Kinshasa, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Il me dit, tu sais que ce match, tout ce qui va se passer dans ce match, c'est le fruit de ton travail, les deux matchs, la préparation que tu nous as offerte. Alors moi, au nom de la fédération, parce que le président est très content de ce que tu fais, je vais demander à ce que tu puisses venir avec nous, parce que c'est quand même le fruit de ton travail. Pour moi, j'étais fier. Je me disais, bon, voilà, au moins, Ndegonanga va reconnaître quand même que j'aide mon équipe nationale. Bon, comme je devais rentrer en Suisse, je lui dis, ok, mais Botindelanga billet, moi je rentre d'abord en Suisse à la maison, et ensuite, na Okendekin. Alors je l'appelle, je dis, bon, le président, je voyage quand? Il me dit, mais toi, tu as un problème avec le gars de l'agence de voyage. Monsieur Théo. Oui, mais non, mais c'est M. Théo qui me dit On que. a compris. Et oui, il me demande si j'ai des problèmes avec le gars de l'agence de voyage. Je dis, non, pourquoi? Il me dit, il a refusé de faire ton billet. Une agence de voyage qui est payée par notre fédération et notre gouvernement, qui refuse de faire un billet sur ordre de la fédération. Est-ce que vous trouvez normal? Donc, en fait, en restant dans la logique, moi j'aimerais bien dire ceci. Monsieur, le but, ce n'est pas de faire un procès d'intention contre Monsieur Théodore Lumumba, OK? Parce qu'on dira quoi? On me dira, vous êtes mal placé pour parler parce que c'est comme si, bon, à Longolina Poster, à Longolina Moussala. Mais quand je regarde le problème de U23, il y a Ozalakina. Voilà la quantité. Et Quand je regarde toutes les bourdes qui se passent dans la fédération, il y a une quantité. ouais. Il y a aux alliés utilisés vide ou en OSLMA qui donc absence dans la quantité, organisation un match amicaux, pour demander au président Omari d'organiser une réunion, d'organiser quelque chose pour repartir De sur de nouvelles créer bases. une structure avec du sang neuf, avec des gens professionnels qui peuvent comprendre comment ça se passe, qui pourront savoir comment parler aux joueurs. Parce que ce monsieur, c'est quelqu'un qui parle des fois aux joueurs comme s'il parlait à ses enfants. Et OK. Donc, en fait. je vais pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Entre autres, en revenant un peu sur le gars de l'agence, à Mons, il avait une chambre d'hôtel dans l'hôtel des joueurs, alors que son rôle, c'est de vendre des billets et de rester dans son agence. En Italie, il était là. Des fois, il est là. Ah, il faut lui donner une chambre. On lui donne une chambre. Le lendemain, il part. Le lendemain, il part parce qu'il a autre chose à faire et il va revenir le jour du match. Mais qui paye ça? C'est l'équipe nationale, je veux dire. Donc, moi, se laisser aller là. Et puis, il y a les gens ne voient. Bon, ils vont peut-être dire que Nazo Lobango Siko, mais match net. Oui, que Tobeta contre Gambie. Bamboyo Bayaka, celui qui joue en Belgique, comment il s'appelle?
Moyo, Pelé, Pelé. Mais Bayal Issoufou-Sauté, Kende match wana toujours avec les deux, donc l'agence et la coordination, Koma, bêta match, et ils sont rentrés en bus, s'il te plaît. Banda Gambie, pour pas qu'ils nous envolent na nanane. Balamouka 4h du matin, zoa voiture na 6h, Koma 17h, et puis Bajor Msou Bayar al Souté, le couloir Makamboan. Mais c'était sous sa direction. C'est parce que la lingité, je ne veux pas que les gens pensent que Osolo parce que Osolo organisé un match Moni, j'aimerais bien que les gens comprennent que non, même Sokozate, il y a des bourdes qui se passent Oui. et les conséquences, elles allaient que Babi nationaux, ou peut-être en Europe, un match dans la Gambie, dans la Tanzanie, Bazo se retrouver dans une situation difficile, dans un terrain polar. Bazo quitter le club na bango, bazo ya match en Afrique, na ba terrain difficile, bazo ba blessure, tout ça, ils ont des conséquences néfastes pour la carrière na bango. Mais Pendant que ceux qui ont organisé tout ça, je manque au mieux, donc. oui, mais bon, Ngaï, par rapport au fait que Batubako Kanisake na zo salango pona bongo. Mais derrière ça, le petit Akolo, il a d'ailleurs témoigné dans son émission, s'il est en équipe nationale, qu'il avait contacté en premier, c'est moi. Akolo, je l'avais contacté même pour un match à U20. À l'époque, il n'avait pas encore son passeport congolais en main, il ne pouvait pas voyager, c'est ce qui avait handicapé. Imbula, c'est moi qui me suis battu en dernier. Je ne vais pas dire pour Imbula, il y a eu plusieurs personnes au Bassalagaro, mais moi, le président Constant pourra un jour se battre ni à côté témoignant. C'est moi qui ai disputé pendant 1h30 avec le papa d'Imbula, qui est un ami d'ailleurs, m'a expliqué hier. Et puis lui aussi, il avait quand même, il était réticent par rapport à tout ce qui se raconte. Na salane 1h30 na téléphone. Na si sinae, j'écris un message au président pour lui dire, président, en tout cas, Kotoyo, j'ai parlé avec le papa de Imbula. Je pense l'avoir convaincu. C'est à la fédération de prendre le relais. Il m'a réécrit pour me dire, voilà, Imbula n'est pas venu plusieurs fois. Pour moi, c'est quand même une déception. On l'a appelé plusieurs fois. Je lui ai dit, tu es le président de la fédération. Tu es comme le papa des footballeurs. Donc, oublie tout ça. Regarde l'intérêt du pays. 2 heures après, il m'a écrit pour demander à Imbula d'appeler le coach. Je veux dire, c'est pas parce que Nazobe sa match. Au pire, moi je dis bravo pour les deux matchs, les deux derniers matchs, Algérie et Côte d'Ivoire. Je dis bravo. Mais tu refuses un match, tu proposes quelque chose de consistant, les gens peuvent comprendre. Tu vas pas refuser de jouer contre une sélection Catalogne où nos joueurs peuvent se frotter au plus grand du monde pour aller jouer contre la Tanzanie où il y a que Samata. Et puis perdre. Oui, et puis perdre. Ouais. Conséquence, on a dégringolé dans le classement FIFA, dégringole et puis tout ça. Bon, puisqu'on court derrière le temps, on a juste 1 heure, il nous reste encore 15 minutes avec cet entretien. J'aimerais bien qu'on fasse un petit. On va essayer de condenser l'émission, OK? Ouais. Et donc, en regardant tout ce que vous avez dit, en écoutant tout ce que vous avez déclaré. J'aimerais bien que vous ameniez quelles sont vos pistes de solutions. Parce qu'on peut se plaindre, on pourra continuer à se plaindre, mais quelles sont les solutions? Vous avez déjà parlé de dissolution ici, mais qu'est-ce qui ne marche pas, qui devrait marcher? Quelles sont vos pistes de solutions? Parce qu'on ne peut pas continuer à se plaindre pendant toute l'émission. Il y a beaucoup à dire, on sait, Oui. mais quelles sont vos pistes de solutions? Non, la piste de solution, c'est ce que j'ai dit. C'est que le président Constant puisse dissoudre cette commission, qu'il puisse mettre en place une structure, ou plutôt une structure mais divisée en deux. C'est-à-dire une structure tout autour de l'équipe nationale qui pourrait être composée des joueurs professionnels, mais compétents, qui pourrait être composé des gens compétents qui pourront ramener des choses pour l'équipe nationale. On doit gagner la CAN prochaine. Moi, mon but, c'est que je demande à tous les Congolais de vraiment être derrière notre équipe nationale parce qu'on a une génération. Je ne veux pas être pessimiste, mais la Oui. CAN prochaine, c'est l'année prochaine. Oui. Jusque-là, on a encore, que dirais-je, on n'a pas de structure, on n'a pas un projet bien fixe, tout ça. Est-ce que c'est réaliste
d'envisager de gagner la CAN l'année prochaine? On a tout. Pendant l'essai, je l'ai dit, on a une génération dorée. Et cette génération est en train d'aller vers la fin de la carrière. Si on ne gagne pas cette CAN, on n'aura pas beaucoup de joueurs qui ont fait la pluie et le beau temps. Est-ce que Ndegonanga aurait s'imaginé, Talakaka, en 98, on avait joué contre l'équipe de France. Oui, bien, Moulumbu. Beta contre le gardien, là, comment il s'appelle, celui qui est en équipe nationale. Son nom m'échappe. L'actuel gardien de l'équipe nationale de France. Maurice. Loris. Pas Beta, c'est Loris qui était dans les buts. Na Mandanda. Joueur Nyonso, Moulumbu, Beta, na Bango, na 98. Tala, depuis 98, marge à progression et équipe à France, na marge à progression na Bissot. Il faut qu'on se bouge. On ne doit pas se contenter du CHAN. Le CHAN, c'est une toute petite compétition si elle est organisée. 20 fois, la RDC est capable de la prendre. 15 fois, parce qu'on se voile pas la face. On a des très bons joueurs au Congo. Il nous manque juste des centres de formation. Il nous manque juste des encadreurs pour avoir une très, très grande équipe. Voilà. C'est-à-dire que la dissolution de la fédération, c'est-à-dire que Non, pas de la la dissolution, fédération, de la la dissolution coordination. de la coordination. Oui. La coordination, ok, si on dissout la coordination, c'est juste une solution pour la coordination des matchs nationaux. Et quid de l'organisation du championnat, de la coordination des équipes de jeunes? Du football, du stade de Martyrs. Il y a plein de choses. On ne peut pas soigner un bras pendant que tout le corps est malade. Je ne sais pas. C'est vrai. C'est pas parce que le pays ne va pas bien que Rosa Bambassade Nabino Boutiangona Bampokunakati. Parce qu'en fait, l'équipe nationale les a représentés. C'est notre image en dehors du pays. Et ça, image Nabissot. On doit soigner cette image-là. Mais OK. il faut pas non plus cracher sur moi, qui au Tozanango. Lelo Lina Foot, il y a sûrement encore, je ne dis pas que c'est parfait. Mais Nalina Foot, on voit des efforts qui sont fournis, on voit quand même que ça va de mieux en mieux. Sans Lina Foot, il y a 10 ans, au moins que ça commence à aller mieux. Ce n'est pas encore ça, il y a beaucoup de choses à faire, mais tu sens quand même qu'il y a une amélioration. Moi, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que je pourrais dédouaner M. Constant Omari de tout ce qui se passe? Non. On ne peut pas le dédouaner parce que, comme on dit toujours, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Mais maintenant, OK. moi, ce que je dis, c'est que, je prends un exemple, ce que je viens de vous raconter, la Gambie. Le président, on lui annonce, on a un match en Gambie, il ne va pas les suivre. Wapi billet, Pessa qu'est-ce que vous allez rentrer, comment? Il ne va pas suivre tout ça. Bien sûr, quand même, les responsabilités. Sauf à payer sur responsabilité. Donc, le président peut juste lui annoncer, il y a un match contre la Gambie. Après tout ce qui va se passer, il a évité. Le président lui annonce que, match Mogweza est arrivé en même temps, Torobeta contre Nigeria, Gabon, mais en même temps, à côté, U20, aucun d'Angleterre pour Torobeta. Et puis, un Algérien qui n'a rien à voir avec la fédération, qui parle aux représentants de notre pays en se présentant comme étant Mutu Yafé-Koffa. Le président Constant n'est pas là. Tu comprends? OK. Et moi, je dis, pour avoir été dedans, je ne le dédouane pas du tout. Parce que je sais, au bout d'un moment, il va arriver que Binon Abino Batoua Jibé. Je ne le dédouane pas. Je dis ceci. Président Constant, Azana Bapar n'a pas responsabilité parce que c'est quelqu'un qui. C'est un être humain. Il a ses failles, il a ses points faibles, il a ses lacunes et tout. Mais Yabdoulokou est bêlé Ayaka. A commis qu'au couvrir, a mis tiens en rempart. Bêtise, monsieur, c'est Salemaki. Yaye, a commis qu'au loba, comme il sait parler, des fois, il se prend des coups. Des fois, il se prend des coups pour rien. Pour avoir été dedans, je dis aujourd'hui, aux yeux du monde,
que je ne dédouane pas le président Constant. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs, mais il y a de l'eau rebellée à Yébakaté, à Yakakoukou, Tango, à couvrir Bango. Notamment pour la Makambo équipe nationale. Autre chose pour moi. Bajor Bango bêta match na Koukan Oyo. Le président Constant qui vient, qui les appelle, non, il est là, Bajor Babi Bango sur le Kakanaï. Atikel na ba joueur a expliqué ba joueur bon ba débloquer mbongo na bino bozo somme boui 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 boui. Le président qui parle mbongo na bazwa te mais les joueurs ont signé comme si bazwa mbongo. J'étais même étonné que banana biso ba kola na poto, je vous donne na 5 à 2 3 jours mais dites-le au président. Ah oh, non bon on s'en fout un peu de c'est puis c'est tu vois. Mais lui a annoncé qu'il bango vrai chiffre mais bango bazwa na mabo vrai chiffre t'es. Les lots, ce qui est commis connu, si ça commence à jaser, ça tombe sur sa tête. Yangoana, il faut à dissoudre Kaka, à dissoudre. Et puis même Badloko qui avait 10%. Il y a plusieurs personnes qui pensaient que c'était Ibeng. Aujourd'hui, je vous dis, ce monsieur-là est incapable de prendre 10% à un joueur. Ibeng. Mais l'argent était perdu quelque part. Donc, Match à parmi les Madagascar, coordinateurs, Bafouta Bamote. par présence de ma joueur, on a quatre sélections nationales. Est-ce que Oebi, pourquoi il a été même Ngayo Kartanga? C'est pour isoler le président. Pour appeler sa version Naé. Oebi, va coach Ebele Bazawana, il les a mis en difficulté. Coach Net Zaïra. Mais je te dis, c'était comme si Bazan n'avait pas de problème personnel. Naé. Vous comprenez. Mais vous voyez, vous observez, mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Étant à Kokendopé, sa version qu'on a, je suis sûr, même les Mais bénévoles comment à ça se fait que Lokuta, le ils vont président apprendre. Omar ferme les yeux devant tous ces scandales? Non, mais lui, peut-être qu'il va apprendre certaines choses, Ndenarlo Babo. Peut-être qu'il va apprendre beaucoup de choses, Ndenarlo Babo. Même à travers Bapéti, il y a Constant Omar. Parce que mon gars, il qui n'a pas eu le lot. Il n'a pas eu le bon joueur qui n'a pas joué, qui n'a pas joué, qui n'a pas joué, qui n'a pas joué. Son gars n'a pas eu le bon joueur. Alors, mon gars, c'est parce que n'a pas joué le match. Il n'a pas même Petit, n'a pas eu le Constant Omar. Et Petit a beau la responsabilité. Tout le monde refuse de prendre la responsabilité. Alors, moi, je prends ma responsabilité aujourd'hui. Je dis et je clame. Cette structure ne sert à rien. Ça fait 10 ans, il n'y a aucune vision. Aucune. C'est-à-dire, ceux qui m'ont mis match, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas un plan bien précis. Bon, je ne dis pas que c'est son rôle, hein, et cause à la rôle à DTN. Mais il peut impulser, par exemple, oui, mais il y a Mbandaka, les grands joueurs sont sortis de là. Il y a Équateur, il y a Isama, il y a Outa, il y a Kisanga, il y a Baonga. Tu te rappelles de Baonga, un grand joueur à Betanadaring, Babima Kuna, na Kasai, bah joueur Babima Kuna, bah qui dit à Baobauta, Kasai occidental. Vous comprenez? Il y a des grands joueurs, bah joueurs Moussou Babima Awa, qui sont même pas allés en équipe nationale, notamment Moulongo Tuanauta qui est à Kembalamoko. Mais en tant que coordonnateur des équipes nationales, à un moment tu peux, oui, si Batoana ni bon, ok, est-ce qu'il y a moyen d'organiser quelques matchs, par exemple, à la région, ou trouver une formule? Par exemple, je le dis comme ça, là, va vite, hein. Trouver une formule. Bon, les coachs, on y va pour détecter peut-être d'autres talents. Pour la équipe nationale, tu es coordonnateur, c'est pas seulement la coordination n'est pas toujours là pour les affaires. Vous comprendre? Non, les structures, il faut écouter. Il faut écouter pour que tout soit tranquille. Merci à José Toumba, à Nayokio. Mais je trouve que, bon, ce Mingi, ça risque de te discréditer. Moi, je Ouais. préfère au soupe. Je préfère te garder un peu professionnalisme, mais comme ça, là, toujours ça, là. Ouais. Parce que la bouche qui parle beaucoup, c'est celle qui pêche aussi trop. Donc, Tosuki Wana, pour le moment, en fait, le bah, sujet est ébélé. Nazo maillot, nazo sponsoring, tout ça. En fait, on va en parler dans une autre émission. Aujourd'hui, c'était juste par rapport à l'organisation et par rapport au travail de coordination. Il y a un match amical. Oui, le lot, ils allaient sous ma boue.
Sogozo permettre nga sogo permettre nga interrompre la structure ce qu'il faut changer ou en place il faut songer y a Rosalana na Europe pour un suivi à joueur na poto parce que qu'on se le dise moi par exemple pour Akolo j'ai eu la chance il y a Akolo mais je suis en très bon terme avec le coach je peux appeler le coach pour lui dire écoute il y a un joueur très bien. Quand j'ai parlé avec Flo, il m'a dit, ah ouais, c'est un joueur que je connais, envoie-moi son numéro. Mais N'a-t-il le numéro? il y a une structure, un ambassadeur de ça. Il y a ceux qui n'ont ni qui c'est Aziz Makoukou là qui est responsable de ça, Bon, non? Nalanda qui Enfin, je est, voulais il a demander. dit. Non, Nalanda qui est. Non, lui, il est ambassadeur, c'est pour l'image. Bon, je sais pas exactement, malheureusement, n'a pas exactement rôle n'a été. Mais. Je l'ai suivi dernièrement, il a dit qu'on ne lui donne pas les moyens parce que Ezo Senga a quand même un voyage à Kayakati il est basé actuellement On au ne peut pas Congo. donner à quelqu'un une fonction et ne pas lui donner les moyens de travailler. Bon, mais maintenant, il y a deux possibilités. Soit, Yé Makoukoula, en tant qu'ambassadeur, a vu quelques personnes en Europe qui peuvent prendre des contacts. Et lui vient les finaliser. Il y a plusieurs formules. Le truc, c'est d'apporter un sang neuf, d'apporter quelque chose, eux, apporter pour eux, même un plus pour notre football. Oui, là on est en période, on a eu ce problème du coronavirus, tout était en stand-by. Qu'est-ce qu'on est en train d'envisager pour demain? Bah, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est que ici, ils envisagent quoi? Il y a pas de match. En tout cas, les pays, basant la structure à Boé, où on te donne seulement, il faut organiser l'équipe nationale, normalement, on devait avoir Netsiko, tu as dit que bon, à part Macamba coronavirus, la date FIFA, prochaine date FIFA, RDC a obéi en équipe Boé. Mais ça vient C'est-à-dire à un mois, c'est toujours à un mois qu'on le sait. Et ça, que normalement. nous, on manque, nous avons manqué ce qui prévoir l'avenir, Vision, c'est-à-dire. la vision, il n'y Voilà. a pas de vision dans cette structure. Il n'y a rien. On ne sent rien. À part un match, c'est ça. Bon, Oh non, je ne peux pas parce que tu vois, car bon. Pour souk à sujet, n'a vu pour être court. Qu'est-ce que ça profite aux gens qui sont dans la coordination? Bah, et là, on y a profité. Notoriété, bongo, ou bien c'est du sabotage, il y a juste une main noire derrière tout ça. Tu sais, généralement, tant que tu s'accrocher, azo travailler, ngai, au pire, je peux même dire que je m'en fous, ceux qui, bango, bazo sala, bien ou quoi que ce soit, c'est au président Constant. Maintenant que je lui donne des éléments, c'est au président Constant de taper sur la table. Et, au lobby, il y a un lobby sauté, mais n'a pas fait exemple, il y a ma cambo. Quand on a l'improvisation, naïe, à Bengiotis Ngoma, pour qu'il y ait des tournois à Kosafa en remplacement à l'équipe nationale Mongo. Mais Otis Ngoma est à sa première année dans Daring. Il doit jouer, c'est Menezolanda, il doit jouer contre Renaissance et V-Club. S'il gagne ces deux matchs à Kena Coupe d'Afrique, Otis pose une condition. Il dit, non, Okende, vendredi ou jeudi, ils avaient joué le premier match. Le deuxième match, ça allait être mardi, je pense, de la semaine suivante. Et DSMP Renaissance, c'était le dimanche. Otis, qui dit, donc, il faut Nazonga. N'a coaché premier match, après Nazongi Congo, n'a coaché match à Renaissance. Je prends le même dimanche le vol, je reviens pour tout continuer. Les dirigeants de Daring qui mettent la pression sur la fédération parce que c'était pas prévu et puis les officialités et tout tchik-tchak. La fédération dit ok on va vous accorder ça le président Constant n'est pas là c'est le président Chimanga qui signe le document autorisant Otis Ngoma à rentrer pour coacher le match et équipe nationale avec le billet de la fédération c'est la fédération qui paye je ne sais pas si c'est avant ou pas ou s'il était déjà dans l'avion mais le monsieur apprend qu'Otis Ngoma va rentrer, le monsieur annule la lettre de son chef au nom de la coordination des équipes nationales.
Donc Chimanga, premier vice-président, c'est lui qui vient après le président Constant. Et aujourd'hui, ceux qui Otis Alongwa na Léopard, c'est à cause de cette histoire. Est-ce que vous vous rendez compte de comment est gérée notre équipe nationale? Comment ça tourne autour de l'équipe nationale? Voilà, bon, ma question est belée. Ndeko va poser qui ma question sur le sponsoring, sur les maillots, tout ça. Mais je crois que Osa mieux placé pour répondre. Non, parce que là, on a banalité. Il faut que Luka batte la fédération. Il faudra que Luka Mutomoro la fédération. Là, ça en est live. Pour que y ait réellement ce qui se passe. Mais en termes de coordination des matchs, Monsieur José Toumba était là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Bon, les questions, elles sont toujours les mêmes, elles reviennent toujours les mêmes, c'est toujours la même chose. Après, on revient toujours au mari, tout ça, on n'est pas là pour créer des polémiques, on va rester professionnel. Ils disent quoi au magasin? Donc, il est responsable de tout ce qui se passe, en fait. Il y a Kangami Sou, Namaramio, c'est l'État. Donc, je vous, vous pense l'avez avoir déjà dit, répondu à ça. vous avez déjà répondu à ça. Ouais, Donc, je dis moi, qu'il n'y a pas de je mauvaise troupe, il n'y a que le mauvais chef, mais veux pour avoir été dedans, j'ai compris quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été il y a quoi apprendre en Asie. Mais hier, quand on faisait Essayoana, on a parlé de la génération dorée. Et aussi, Tounaingaï, ceux qui ont adoré pour la pro ou bien pour la locopé. Propos Aya pour Nanga, la conception Nanga, il faut qu'il apporte un plus. Mais, et là, on a une anecdote, c'était pour montrer que la plupart des joueurs autour en Apoto, Bakomana esprit à Congo. Il y a une mentalité congolaise, boy. Alors, tout est éliminant dans mon qui moi qui aille à Zomelamaï, à Ebsi, mon Abi, ah, puis tu en as un bête à balle, Makas. Il parlait de Kololo, Jordan. Et puis, mon Gungu qui répond, ah, puis tu en as un mouni à Yebi, et l'autre petit galier esprit, et puis grand liboulou. J'étais très. Donc, et ça, là, il y a bien. J'étais On là. sentait que Il tu étais là. y Voilà. en a Et qui l'autre parlent. zangé esprit, na liboulou. C'est-à-dire, bah, Ah, comment, bah, c'est pour ça qu'en même Congolais. temps, après, ça peut nous donner la conseil. Voilà. Donc, vous devez comprendre. C'est ça, esprit, oeza, lilo, bano, basillé, bazan, esprit, oana. On peut gagner la Coupe d'Afrique. On doit être soudé. Mais il faut pas bomailo, koana, potokende. On peut pas Vous avez un comprendre. joueur en Suisse, Meschack. C'est comment sa situation? Meschack, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas là où il est. Je sais qu'il est à Berne. Mais je ne l'ai pas encore vu. Non, solo, il n'a été. Mais c'est dommage. Bah, joueur Nabiso, Kobima, conflit entre équipe Baouti, Place Oiseau Kende. Non, je ne vais pas entrer dans les détails. Je sais même pas, je connais pas les tenants, les aboutissants. Mais c'est toujours mieux de se séparer à l'amiable. Ok, merci beaucoup. Nabao, nous sommes à l'Andibiso, dans Nzela et Internet, dans Nzela et la page, Nabiso et Facebook, où ils allaient qui première partie, il y a discussion dans Rosa Nangona, papa Nabiso José Toumba. Donc, au comme c'est une émission, il y a beaucoup à dire, mais soyons brefs et précis. Nabao, tous allés, pour le voir, pour tout bon, nous sommes à l'Obato. Dépasser une certaine. Tant mort, parce qu'à la fin, et comme un peu ennuyant, on fait du bis repetita, on commence à s'ennuyer. Il y a beaucoup de choses graves qui se passent dans la fédération congolaise, dans l'Obarango toujours. C'est-à-dire que de la tête aux pieds, j'aimerais bien lancer un message au président Constant Omari. Président Constant, Mokonzi Ayo Karabana, les cris des enfants, Mokonzi Ayo Kaka Matea. Donc, il y a des choses qui se passent depuis que Kotana, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. L'organisation des matchs, les stages. Match, match. Mais tout ça parce qu'il y a aussi une flexibilité de la part de la FIFA et de la CAF. C'est-à-dire,
qu'on crée bah agenda de telle manière que pays et ça a moyen à obéir sur la journée à bon temps. Ça nous a facilité aussi dans le terme d'organisation, à organiser le match, à organiser la préparation, tout ça. On a vu une amélioration. Mais ce qui se passe de grave, malgré toute cette amélioration, ce qui se passe de grave, c'est au sein même de l'organe. C'est-à-dire que dans la FFA, on est encore à 1000 années-lumière de ce qui est la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que tout a avancé. Il y a ce que tu as dit, la fédération, nous sous vendre le championnat à Bango, nous sous vendre l'image du championnat à Bango. Il y a la communication, il y a la mise à jour de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, dans notre fédération, la fédération congolaise, il n'y a pas ça. On voit le Madagascar à peine, bah, tu quoi améliorer la structure à Bango parce qu'il faut développer l'organe avec des moyens, avec des outils qui sont mis à jour. Mais ce qui est toujours ça, la honte, c'est quand même dommage parce qu'on reste derrière et on va se dire toujours que ah, RDC, le Rwanda, si talent, basali, talent, basali. Mais quand le développement ne suit pas, quand la structure ne suit pas, quand il n'y a pas un plan qui est prévu d'avance, bah, résultat d'ambition est que ça va toujours médiocre. Merci à José Toumba. Merci pour la présence, Nayo. Tout ça, les 1h15, comme promis. Nazaki Namoni question, mais Nesengo si on peut Yamba, permettre, on va en répondre. Oui. Namoni, je sais pas qui, Atoni Likambo, il y a Isaac Chibango. Isaac Chibango, a évité social money à Zobeta, mais moi, Nana, c'est Isaac Or. Je comprends pourquoi le coach Christian Tsengui l'a pris en équipe A. Isaac Chibango un potentiel énorme. Un potentiel énorme. C'est un joueur qui peut aller très loin. Mais il faut Oui. Kandenge Tolobara, Le Abimsaki cadrement. Congolais na Moutou. Il faut avoir Est-ce la bien que. encadrée. Voilà. Merci à José. De ça, 1h15, faute de temps. Oui, mais caca. On a pu faire maintenant bouger côté Kouna. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Ce n'est pas la dernière émission. Tout ça, c'est une émission, peut-être le week-end, peut-être. On va revenir encore une fois de plus dans tout ce que nous proposons. Et voilà, un bon conseil à tous, protégez-vous contre le corona. Bobo masque, bobo bon côté. Il y a José Place aux Ali, aux Alamayele. Ça a été court, mais précis. Je te remercie beaucoup. On avait beaucoup à dire, mais faute de temps, il faut tout structurer en haut pour une Nako autre. lancer un message pour Naibi que Vous avez le dernier mot, en fait. la plupart y a battu Oyo Kobazala en parlant de Léopard Bassololana, un président constant. Que le président constant sache que Azamoutou, on peut se dire que Azamoutou Oyo, Azanaba défaut, Azanaba. Bah, faiblesse na ekande na lobaki mais kayoka comme tu viens de dire il faut ayeba koyoka matoyi nyonso. Je vais répéter ce que je lui avais dit tant ma kamba imbula tant ma senga qui a en contact na imbula un président de la fédération na ndenge na biso ba africain de lobaka azaneti papa ya ba footballeur alors ceux qui n'andaku Ozana mutu moko noko moko mema ou tataleki moko mema. Akomi kopesa yo ba rapport a bana na yo ozo yo kabango te. Ozo landa makambo osala. Osu tuka mkomsu ndaku na yo basi batekango sans ke oyeba. Ce n'est pas en faisant confiance de manière aveugle ne erosala que Batona basala misala. Soko yoki makambo nyonso na lobby, je le dis et j'assume. Et à tous les Congolais, je dis, tout ce que j'ai dit, je me pose ma main sur la Bible et je prie. Je me pose la main sur la Bible, il n'y a aucun mensonge. Donc, Nengezawana, Bazako Bomela bisou équipe nationale. Cette équipe nous appartient tous. Je ne dis pas qu'il faut bazo un match Nanga. S'ils peuvent ramener d'autres matchs
de très bonne qualité. Et d'ailleurs, Nabosani Koye Bisayo, est-ce que Yebi que Tokoko Betana Croatie? Ça aussi, j'ai oublié de le dire. Croatie, Nabengi président constant, même si président constant, il y a la Croatie qui cherche un sparring partenaire, il y a Afrique. Il me dit, Benga, coordonnateur, dis-lui que je suis d'accord, après son mandat. Tilelo n'a pas mandat en athée. Croatie et bêta contre Sénégal. Match au Bissot au Betana Bango. Et à la fin, Croatie, vice-championne du monde. Est-ce que Ozo se rend compte de Makambo Bissot perdre parce qu'il y a une personne qui s'accapare de tout, qui joue au, je sais pas moi, à l'empereur? Président Constant, na mandat Nayo, Ozaka na deux chans. Lelo Togozala, Chanon les années qui trompent l'œil. C'est une petite compétition. Naba joueur, Nabiso Togo auront plusieurs fois. On a besoin d'une Coupe d'Afrique. Si tu veux avoir une Coupe d'Afrique, prends tes yeux, mets-les sur l'équipe nationale et change le fonctionnement de l'équipe nationale. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ma nation. Batumsous, peut-être la fédération en a, tant U23 et Longwa, l'emsoubalala, la bango tranquille. Moi, je n'ai pas dormi. Nga match Arabie Saoudite contre RDC en Autriche, hymne Namiso, il est là, mais Namiso Kitinga. Il y a des gens qui souffrent pour ce football. Nama comme tout Nazo Sala, oh ok, il faut Nazo Sala pour qu'est-ce que je peux faire pour l'équipe Namiso et bon, tu as la passion Batubana au Congo. Une Coupe d'Afrique peut, même pendant, je sais pas, 2 jours, et ça, quantifiable, t'es le bonheur qu'on va offrir à ce peuple qui souffre. Tant de guerres, tant de viols, des gens qui souffrent comme ça. Et puis, il y a une personne qui vient se mettre en travers pour ne pas qu'il y ait évolution à Balenabiso. Et sa normalité, ce n'est pas normal, président. Et ça, Moussala, personne ne pourra te forcer si tu refuses. Mais je te dis, dissous cette coordination, crée-nous une structure capable d'apporter un plus à notre équipe nationale. Voilà. Merci à José, merci à tous les internautes de ceux qui vont apprendre à l'élo. Envoyez-nous des messages, dites-nous, et fournissez photo ça là pour Nato, Moutouni Bolini, vraiment Bissoto Yambabino pour clarifier cette situation en fédération parce qu'il y en a beaucoup à dire. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie, l'émission sera enregistrée. Merci pour votre participation et à la prochaine fois. Merci à José, Tobingani. Ok, ciao. Ciao.